car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Parole de Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus, toujours sur le sujet Samuel et tout. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle révélation. Aujourd'hui, je viens parler du foyer de Samuel et tout. Car le Seigneur m'a donné une triste nouvelle pour lui. Chers frères, chers docteurs, chers talentueux Samuel et tout. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, que celui qui tue par l'épée mourira par cette même épée. C'est-à-dire quoi? Rentrons dans les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 26, verset 52. Jésus lui dit à Simon Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Tous ceux qui prendront une épée contre leurs frères, contre leur ami, contre leur collègue, périra par l'épée. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu chapitre 26, verset 52. Chers tous, chers téléspectateurs, nous savons tous, dans la vie de notre frère, pendant l'ère lumineuse de notre frère, Samuel et tout, le docteur et tout, il a passé le temps à causer le trouble dans les foyers de ses amis pour les dominer. Je ne vais pas pour autant dire avec conclusion, car je n'ai pas de preuves, mais ça, c'est une révélation. Il a passé le temps à flirter avec les amis de ses coéquipiers, avec des épouses de ses coéquipiers. Il a eu beaucoup de scandales sexuels avec des copines de ses coéquipiers. On connaît beaucoup. Et il y a une autre chose, n'oublions pas, Samuel Eto'o a causé beaucoup de séparations dans la vie, dans les intimités, dans les ménages de beaucoup de joueurs. Ce que Rigobertson a eu avec Esther Gabriel, lui, Mbala, épouse son, a été causé par Eto'o cette séparation. Maintenant, le Seigneur me dit de dire à Eto'o, c'est son tour. Mon frère, comment est-ce que tu vas faire cela? Car le Seigneur me dit de te dire, puisque le Seigneur ne laisse rien, rien ne transperce. Tu es quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Rien ne transperce, rien ne vient sans un avertissement. Fais très attention, car je vois Georgette et tout te quitter de la pire des manières. Hier, yeah, tu détruisais les foyers de tes amis. Tu détruisais les foyers de tes coéquipiers. Tu détruisais les foyers de tes frères. Aujourd'hui, c'est ta part de foyer. Qu'allons-nous faire? On va faire comment? Tu as fait tous les scandales. Elle ne t'a pas quitté. Elle ne t'a pas quitté. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit de venir te dire qu'elle va te quitter. Qu'elle risque de te quitter. Elle est en train de vouloir te quitter. Et je pense qu'elle va te quitter. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Tu ne trouves pas que ce karma est très lourd pour toi? Pourquoi vivre du mal? Pourquoi faire le mal quand on a le pouvoir? Voilà le petit son, Alexandre son. Tu as failli le séparer avec Olivia. Chance que ce petit était wise. Il t'a doublé. Il a protégé son foyer. Voilà Njita. Tu es allé avec l'État monter un faux test d'ADN. Njita est venu nier les enfants qu'il a accouchés. Les enfants qui sont ses enfants biologiques. Voilà à peine combien de temps. Te voilà. Ces mêmes gens avec qui tu as conspiré pour déstabiliser Njita, pour qu'il ne monte pas la Pekafoot parce qu'il est bamnéqué. Voilà ça aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire, les mêmes gens sont en train de déstabiliser ton mariage. Et si je m'en tiens avec les détails que le Seigneur me donne, je ne donne pas les détails comment ça va se passer. Puisque les détails sont ses secrets. Si je m'en tiens avec les détails, les mêmes gens avec qui tu t'es assis pour détruire le mariage de Njita, ce sont les mêmes gens qui sont en train de vouloir détruire ton mariage. Et ils sont même en train de réussir. Comme je te dis là, bientôt, ce sera un breaking news sur les réseaux sociaux. Mon frère, il faut implorer la grâce de Dieu. Parce que j'ai pitié de toi. Je sais ce qu'il veut dire en des moments de crise. Séparer un homme de son épouse. Nous avons vu comment Georgette t'a soutenu dans les périodes les plus sombres de ta vie. Dans tes bêtises que tu as faites.
Et quand j'entends ce que le Seigneur me dit, avec ce détail, et le niveau où je vois ça arriver, mon frère, il va te falloir une grâce extrême pour t'en sortir. Docteur Ito, il y a un adage qui dit en anglais, be good with the people you meet on your way up, because you surely meet them on your way down. C'est-à-dire quoi? Quand tu es à ta... Lorsque tu as à ta montée de gloire, fais attention. Tous les gens qui sont en train de descendre, tous les gens qui sont en train de sombrer, ne leur manque pas de respect. Ce sont eux qui savent ce qui est là-haut et sont eux qui peuvent te dire. Mais tu les as manqué du respect. Tu as chosifié tous tes camarades, tous tes amis. Tu as fait le chantage aux gens. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et te voici aujourd'hui, qui aura pitié de toi. Mon frère, les Camerounais t'aiment beaucoup. Mon frère, je ne suis pas ton fan. Mais quand je regarde ce que le Seigneur m'a révélé concernant ton mariage, je sens mal pour toi. Mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur ne m'a pas dit de venir te dire de te repentir. Le Seigneur a envoyé des prophètes chez les hommes de Dieu. Le Seigneur a envoyé le prophète chez Ézéchiel qu'il devait mourir. Il a prié Dieu. Dieu a envoyé ce même prophète à lui dire qu'il lui ajoute 15 ans. Et il a même vécu plus de 15 ans là. Le Seigneur a envoyé Jonas aller à Ninive, prédit qu'il va détruire Ninive. Il est allé, il a même fait la tête. Il est allé par force, il est arrivé, il a dit, mais les gens de Ninive ont prié, se sont repentis, Dieu a eu pitié d'eux. Et toi, docteur Samuel, est-ce que tu pourras prier? L'homme de tous les orgueils, l'homme de toutes les forces, tes forces sont été lâchées. Oui, tu as une dernière carte. On va appeler ça la carte de Samson. Tu as une dernière carte que tu vas sortir à tous tes ennemis. Mais qui est mauvais, tu risques sombrer avec tous tes ennemis. Je t'assure. Tu risques finir comme Samson dans la Bible. Tu risques finir comme Samson dans la Bible. Dieu t'a donné beaucoup de force. Tu es né avec beaucoup de force. Tu es né avec beaucoup de chance. Mais tu as pris cette force pour détruire des gens, pour détruire les vies des gens, pour abuser des gens. Tu as utilisé la rancune pour faire dur aux gens. Maintenant, c'est ton tour. Qui va pouvoir te soutenir? C'est vrai, les Camerounais t'aiment. Est-ce que l'amour des Camerounais va pouvoir? Ils vont pouvoir se sacrifier pour toi. C'est peut-être ils le faisons quelques-uns. Mais sinon, tu payeras d'abord le prix. Donc je viens te dire ici, c'est le moment de ton karma. C'est le moment de payer le prix. Prépare-toi juste. Dieu ne fait rien sans rien dire. Prépare-toi juste pour ta séparation avec Georgette et tout. Le Seigneur m'a dit, tout ce qui est en train de se conspirer, ça a déjà commencé. Peut-être tu le sais même déjà. Oui. Moi, je viens seulement dire, pour que les gens soient témoins que le Seigneur avait parlé. Cher docteur Samuel Eto'o, sois fort. Je demande à Dieu de te donner la force pour traverser les tribulations qui sont en train de venir. Merci beaucoup, merci chers tous. Nous sommes dans une édition Samuel Eto'o. C'est que le Seigneur m'a montré tous ces mois. C'est vrai que notre sœur, la psychopathe, Laura Kameni, avait dit que la nuit de long couteau, c'est bientôt. Et je vois que voilà ça qui commence, le mois d'avril. La nuit de long couteau a commencé. Notre sœur, ou bien ma conseil égarée, la psychopathe Laura Kameni, l'avait dit. Voilà ça qui est en train d'arriver. On est en avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vrai. Chers tous, chers téléspectateurs, partagez ceci jusqu'à ça arrive à Eto'o. J'ai pitié de ce que j'ai vu. Vous voyez même mon ton. Ce n'est pas le ton que j'ai toujours. Parce que ce que j'ai vu retomber chez Eto'o, c'est grave. Merci de partager. Merci de vous abonner. Merci d'être fidèle. Et à très bientôt pour du lourd. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Ciao. Oh, oh, oh.
Do so now.